Et salut à tous, c'est Agent GB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vous le donne en mille, on va bousiller un campement. Et on se retrouve, on se trouve à une grosse cinquantaine de mètres du village, enfin du campement. Et donc on va faire, on va commencer par le commencement, j'ai envie de dire, on va surveiller les snipers. Et non mais qu'est-ce que je fais là? N'importe quoi? C'est pas un campement ça? Je me suis encore gouré. Il est là le campement. Il est là le campement. Il est là le campement. Je me dis aussi, il y avait de la fumée, mais pourtant, ça indiquait que c'était celui-là le plus proche. Alors voyons voir comment ça se présente. Eh bien, ça m'a l'air fort sympathique. Ça m'a l'air fort facile. C'est l'affaire de quelques secondes. Ah, ça serait quand même stylé si on arrivait à tout faire au sniper quand même. Ça serait propre de chez propre. Alors je vois déjà un mec qui est isolé. Donc ça c'est propre. Un sniper, c'est aussi propre. On va essayer de le headshotter. Hop, voilà, super. On va avoir lui qui est tout seul. Abandonné de ses amis, de ses proches, de sa famille. Il n'a pas d'amis. Oh, zut, j'ai cru entendre un cri. Non, rien du tout. Il y a un mastodonte là-bas. Alors lui, ce serait le dernier à buter. Un autre mastodonte ici, qui a un lance-flamme en plus. Alors ici, là, je vois deux petits gus qui sont... Ouais. Je crois que... Yes, on l'a eu. Propre. Vous êtes loupé. Attendez, on va rigoler. Tu m'as pas vu. Zut, il m'a vu. Hop là, je l'ai eu. Ensuite, zut, ils ont déjà appelé les renforts. Oh putain, il y a un sniper, il y a deux snipers même. Putain, merde. Hop là. Zut, il a déjà appelé les renforts, il est rapide le bougre. Boum. Ça l'a même pas tué, zut. Boum. Ok. Ensuite, qui d'autre? Who's next? Toi? Non, ça c'est des mastodontes, on peut pas les buter au sniper. Bon bah écoutez, on va descendre, on va s'occuper des renforts. Ils viennent de l'ouest, si je me souviens bien. Donc oui! Oh, ça c'est propre! Ça c'est très propre! Viens ici! Ouais! Boum! Trop de dégâts! Allez! Boum! Multi-kill! Ok, on va vite descendre avant de se faire cramer par le feu, et étant donné que c'est un feu, il crame, c'est logique. Hop, toi je t'ai eu. Ensuite, on va prendre notre fusil à pompe favori pour désinguer. Oh, ces petits mecs qui ont l'air chaud lapin. Boum. 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 Oh putain. Un petit garçon ne devrait pas jouer avec le flingue, qui me dit. N'empêche, c'est toi qui souffres, ma gueule. Hop. Et... Non! Allez! Boum, voilà, c'est bon, on l'a eu. On va même le looter maintenant, comme ça m'évitera de... Zut! On va pas le looter maintenant, finalement. On va s'occuper déjà de notre santé, ça serait déjà pas mal. Mitraillette. Boum! Toi t'es eu. Vite, il y a des snipers, ils sont redoutables. Putain! Lance-grenade! Multi-kill! Waouh, il y a trop de mastodontes. Zut! Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, je voulais juste exploser la caisse. Allez! Oui! Oui! Ouh, alors là, c'était magnifique. Kill cam de fin, si on peut dire ça comme ça. C'était assez stylé, là. Les deux petits mastodontes de chaque côté de la bagnole, et là, poula! Alors, mes alliés qui viennent d'ici, coucou! Boum! Vite, multi-kill. Je crois que c'est bon. Plus personne. C'est bon, nickel. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé ce petit camp là, surtout le petit truc de fin. Je suis bien fier de moi. Et bah sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. High five.